Oh, j'ai complètement oublié la pile. J'ai complètement oublié. Ça m'est complètement sorti de la tête. Écoute, je l'appelle ce soir. Promis, je l'appelle ce soir. Bah, bien sûr, maman, enfin. Oui. D'accord. Non, sinon, tu vas bien? Ouais. Bah, écoute, c'est une bonne idée, ouais, bien sûr. Pourquoi pas? Bien sûr, non? D'accord. Bah, écoute, je vais en parler à Jean. Ouais. Bon, tu sais, Jean, il est pas comme ça. Bah, non. Ouais, bah, je vais en parler. Ok, puis on se rappelle demain. D'accord? Bon, je te fais des gros bisous. Je te rappelle demain. Ciao, maman. Ciao. Alexandra! Quoi? Elle est où? De quoi? La surprise! Quelle surprise, Louis? La surprise qui était dans le paquet de céréales! Oh, franchement, genre, je l'ai donné à Hélène pour son petit garçon! Attends, c'était quoi? C'était quoi? Je sais plus, genre, c'était un autocollant, je crois. Non, c'était quoi? Un tyrannosaure ou un triceratops? J'en sais rien, moi j'ai connais rien! Viens là! Quoi? C'était lui ou lui? Je sais plus, c'était l'orange, là, voilà, c'était ça. C'était l'orange. Alors là, bravo, alors j'aurais pu finir, mais quand ils sont dinosaures, bravo! Hein. Tu vas dire à Hélène de le ramener tout de suite, hein. Enfin, alors là, tout de suite, ok? Genre, je peux pas demander un truc comme ça à Hélène, surtout pour une bêtise pareille. C'est pas une bêtise, c'est ma bêtise que j'ai acheté de mes céréales avec mon argent. Mais Jean, franchement, tu fais le bébé, là? Je suis pas bébé. Mon petit loulou. Écoute, si tu es très gentil, je vais revenir cet après-midi avec une petite glace. Avec du chocolat? Oui, avec plein de chocolat, mon loulou. Tu veux un petit bisou? Non. Un petit bisou? Non. Oh, c'est gentil, un bisou. Eh bien, tu auras deux gars. Ouais. Non, c'est pas vrai. Oui. Oui. Écoute, maman, je vais te laisser. Oui. D'accord. Écoute, je te rappelle demain. Oui. D'accord? Je te fais des grands bisous. Au revoir. Ciao, maman. Ciao. 2 heures que t'es au téléphone, toi. Oh. Loulou, c'est maman, quoi. Oui, je m'en fous. C'est bon, t'arrêtes maintenant. C'est oui, promis, c'est... Ou c'est fini. Terminé. J'appelle plus. Bouge terminé. Plus. Putain, mais oh. Non, c'est pas vrai, non. C'est qui? C'est la mère, la copine? Allô? Ouais, salut, Cathy. Ça va? Bah écoute, t'as pas de bol, elle vient de partir, là. Ah, tu cherches le dossier de présentation? Ouais, écoute, cherche dans son bureau. Tu sais, dans le deuxième tiroir. Ouais. T'as pas la clé. Au niveau de la deuxième étagère, tu sais, du premier étagère de la bibliothèque noire, tu sais, c'est tout à fait genre de gonzesse à mettre ça là. Ouais, et ben voilà. Mais je t'en prie. Mais c'est normal. Non, attends, mec génial, tu t'emportes là. Arrête, tu me gênes, Cathy, là. Bah écoute, t'es pas mal non plus, ça. Non, mais t'en trouveras un, t'es comme moi, tu sais, t'en trouves, hein. On n'a pas acheté le moule encore. Hein? Ouais. Mais bien sûr, ça serait chouette de se faire une petite bouffe, tu penses. Mais là, c'est la prochaine fois, essaye de m'appeler plus sur mon portable parce que la maison, ça peut. Donc... Ok, mais ferme. Ok. Dis donc, ça va, je t'en vais. Bah, y'a personne. Mais non, y'a personne, pauvre nouille, elle a raccroché. Yeah.
Lunettes. N'importe quoi, le ridicule. Mais non, n'importe quoi. Tu t'es pris là-haut. Mais non, je savais que c'était là. Non, Alex, sûrement pas. Alors, non, non, non. Allez, non, non. Mais nous, non, s'il te plaît, va chercher du lait, des œufs. Allez, s'il te plaît. Jean, si tu y vas. Bah, ça me revient pas là. Attends, Alex, il y a 30 ans de lutte féministe derrière toi. T'as lu tous les bouquins de Simone de Beauvoir, t'as regardé toutes les émissions de Christine Bravo, t'as même fait toutes les manifs pour l'avortement, le droit des femmes, l'équité salariale. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu m'offres une petite pipe contre une petite commission. Franchement, je trouve ça, mais. Ok, j'y vais. J'y vais, mais c'est la dernière fois. Et je veux une avance. Ah non, les courses d'abord. Elle est forte. Yes. Chin-lou. Chin. Comment tu le trouves? Il est bon, hein? Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils disent, eux? Que c'est un bon vin. Ouais. C'est ça. C'est marrant parce qu'il y a un petit goût de comment on dit de. Ils disent quoi, eux? Les murs. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est la mûre. C'est la mûre. Hein. Mais en même temps, il y a un arrière-goût de vanille. Je suis pas sûr, non, je dirais plutôt poire, moi. Ah oui? Ouais, c'est de la poire. Qu'est-ce qu'il dit, eux? Cannelle. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Moi, je voulais dire cannelle. Ouais, ouais, mais c'est assez proche de la vanille, bien sûr. Il est énorme, ouais. Eh, c'est un cabernet sauvignon, ça, hein? Non. Non? Non, non, c'est pas possible, non. Ça, c'est un merlot, ça. Ah oui? Ouais, c'est un merlot. Qu'est-ce qu'ils disent? Pinot noir. Ouais. Oui. Oui, c'est ça. Hein? Et c'est vrai. Et c'est vrai quand tu regardes, finalement. Regarde. Regarde. Ouais. Bien sûr. Extraordinaire. Et le loup. Quand on va les manger chez les autres, ça va être difficile maintenant qu'on est des spécialistes, hein? Hein? Va falloir être indulgent, je pense. Bien sûr. Fabuleux. Fabuleux. Qu'est-ce que tu fais là? Des frites, t'en veux? Berk. Ça bouche les artères, ça? Ça bouche les artères, n'importe quoi. Oui, moi je préfère me faire une belle salade verte avec un filet d'huile d'olive et du vinaigre de balsamique. Oh la gerbe! Bah attends, c'est bon pour la santé, ça, loulou. Hein. Bon. Qu'est-ce que j'ai foutu de mon huile d'olive? Dis donc, dis donc, dis donc. Tu l'as pas vu, toi, loulou? Hein? Tu non. Sais, la bouteille neuve, là? Ah non, hein? C'est Jeannette qui me l'a ramenée de Toscane. Ouais? Bah, je sais pas, j'ai rien vu du tout. En plus, elle a payé super cher. Où est-ce que je l'ai mise? C'est pas vrai. Je sais pas. T'es sûr que tu veux pas de frites, là? Non. Foutre, moi. Où est-ce que je l'ai foutu? Du coup, je sais pas, moi, ma grande, là, je peux pas te dépanner, attends. Si tu sais pas où tu ranges les affaires, attends, là. Je viens de poser un cadre dans la chambre, là. Oui. Et le problème, c'est qu'il est tombé, en fait, sur ta coiffeuse. Il a cassé, en fait, tous tes petits parfums en verre. Et je me suis dit qu'en dansant, peut-être que ça passerait mieux. Oh non, loulou! Tout est cassé.
Salut mon amour. Mmh. Ça va? Bien et toi? Ça va. Mais c'est quoi cette ambiance là? Bah... T'es toute jolie toi. Merci. Fais voir, tente-toi. Dieu. Ça te va super bien ça. Merci mon amour. Ouais. Ça va? Ouais, ça va, je suis un peu naze là, puis en plus j'ai un peu les crocs. Qu'est-ce qu'on bouffe? Bah, Loulou. Ouais. T'as oublié quelque chose là? Ah, le pain, merde. Bah non, mon amour. Bah quoi? Bah, mon anniversaire. Ah, attends, t'as oublié mon anniversaire? Ouais, non. Oh, j'en reviens pas, t'as oublié mon anniversaire? Attends, je t'en parle tous les jours depuis un mois, Loulou. Non, non, attends, non, mais Alex, je l'ai pas oublié ton anniversaire. Je l'ai pas oublié, je l'ai noté dans mon agenda électronique, seulement j'ai pas pensé à le regarder, mais attends, ça s'oublie pas une date comme ça. Mais non, ça. Mais je l'ai pas oublié. Je suis sûr que t'as oublié mon cadeau. Bah non, arrête de dire ça, c'est pas vrai, tu m'insultes là, je l'ai pas oublié ton cadeau. Attends, ton cadeau, effectivement, je l'ai pas là. Mais à ton avis, pourquoi? Bah pourquoi? Bah je vais te le dire parce que je l'ai commandé. Non. Si, je l'ai commandé et seulement les mecs c'est pas des violents, hein, tu l'auras la semaine prochaine mais ton cadeau j'y ai pensé, bien sûr. Mmh. Bah oui. Une nuit d'amour seule avec mon homme, t'as commandé ça. Hein? Bah écoute, tu me diras dans quel magasin. Allez, c'est bon, t'es nul, tu sers à rien. Alors, attends Alex là, franchement... Ah ça va hein. Je suis désolé, franchement là je suis super mal, j'ai pas d'excuses mais... En plus j'avais réservé un restaurant pour nous deux ce soir alors. Un restaurant? Ouais mais bon je vais annuler, ça sert à rien. T'avais réservé un restaurant? Ouais mais bon à cause du cadeau là je suis contrarié là tu vois, je me sens mal, c'est pas... Je vais annuler. Mais t'avais réservé pour quelle heure? Bah là maintenant, là ce soir là, enfin c'était maintenant mais bon j'annule. Oh mais non attends, moi j'ai envie d'y aller. Je vais chercher ma veste hein Loulou. Ah bon, t'es sûr hein? Bah oui. Allô? Non, j'attends pas. Non, deux secondes, je voudrais réserver une table pour ce soir pour deux personnes. Idéalement dans un quart d'heure, c'est... Pas avant 9h30. Ah non, merci, ça sert à rien, au revoir, merci, au revoir. Alors Loulou, c'est quel restaurant? Surprise! Oh, Loulou! Bon, j'ai hâte! Ah! Alex! C'est moi! Quoi? Un cafard mort, regarde! Oh, Berk! Tu crois qu'on en est infesté? Il y a des chances. Bah, qu'est-ce que t'as paniqué comme ça? Il y a de quoi paniquer, faut déménager, tu te rends pas compte? Bah attends, Loulou, c'est rien, c'est qu'un cafard et en plus non, il est mort. Attends, c'est pas le cafard qui me fait peur. C'est qu'il soit mort. À mon avis, il y a quelqu'un ou quelque chose qui tue nos cafards. Je suis gâtée, moi. Pop, s'il vous plaît, hein. Pas de femme dans la cuisine, on respecte le chef, on s'assied et on se régale. Ça a l'air super bon. T'es allé chez quel traiteur? Comme d'habitude. Trop vite. Mais tu m'as fait signe là! Je t'ai pas fait signe pour lancer la musique, je t'ai fait signe pour te dire que j'allais te faire signe! Ah ouais, alors toi tu me fais un signe pour me dire que t'allais me faire signe, et comment je pouvais savoir ça? De toute façon t'as toujours raison! Bah oui, là j'ai raison, est-ce que j'ai raison, oui! Bon bah vas-y, mets là ta musique! S'il te plaît, c'est toi qui l'as volé la musique, hein! Oh ça y est, ça va être ma faute! Oui, c'est ta faute là! Bon, ça y est, t'es prêt là? Oui, on y va! C'est bon? Oui, tu me fais un signe! Oui! Ok! Bonjour, nous ne sommes pas là! Mais laissez-nous un message! Et nous vous rappellerons dès que possible! Comme d'habitude. Ciao, ciao. Au revoir. Bah, tu vois, c'était pas compliqué. Tu m'énerves. Bah, non, Loulou. Ne le mets pas en lave-vaisselle, ça. Mais pourquoi? Bah, parce que ça se lave à la main. Ah bon? Bah, oui, elles sont toutes neuves. Oh non. Oh, écoute, bébé. Allez. Oh, c'est lourd, ça.
Alex, excuse-moi, tu peux me dire pourquoi il y a trois sortes de liquide vaisselle là? Oh, m'en parle pas, j'étais incapable de me décider. Bah ouais. Mais... Écoute, il y en a un antibactérien, ça c'est spécial pour les mains, ouais. Et ça c'est sensation de printemps. D'accord, tu prends lequel? Bah, je sais pas. Écoute, t'as qu'à prendre celui-là, il est mieux. Ouais. Mais t'es vraiment. T'es que t'as un grain, la copine, t'as vraiment un grain, hein. Qu'est-ce que ça me gonfle de faire ça, moi? C'est quoi? Je vérifie mon relevé bancaire. Bah pourquoi tu fais ça? Bah pour voir s'il n'y a pas d'erreur, si les tickets correspondent au relevé. Oh bah moi j'ai un truc qui va beaucoup plus vite, hein. Ah oui? C'est quoi? Bah je les jette. Mais toi, mais... Alors Loulou, comment tu me trouves? Oh t'es super belle, hein. T'aimes bien? Ah ouais. Sérieux? Ah ouais, vachement, ouais. Parce que j'avais peur que t'aimes pas. Ah non. T'es vrai? Ah j'adore. Très très bien, très très bien. Ouais. T'aimes bien le changement, toi, hein? Hein? Ouais, j'aime bien, ouais. T'aimes bien quand ça change, hein? Ouais, j'aime bien ça. Et c'est quoi qui a changé? Bah c'est... Tu sais pas. Bah non, tu sais pas. Mais si. Bah non, tu sais pas. Mais si, c'est mes... T'as vu, j'ai réparé le grille-pain, chouchou. Regarde. Grille-pain. Il y a tellement de bordel, ici on trouve rien. Il y avait des biscuits là. Non, je les ai remplacés par des galettes de riz. Moi, bon, j'aime pas ça, moi. Il y avait des gâteaux au chocolat aussi là. Ça aussi, je les ai remplacés par des pommes, des bananes, des prunes, des oranges. Mais c'est pas bon ça, j'aime pas ça, moi. T'as pas acheté le chip? Non. Y'a rien à bouffer dans cette baraque, bravo. Ah, t'as vu le poivre là? Non, le noir. Oh. Non, Loulou, arrête! Qu'est-ce qui se passe, Loulou? T'aimes pas ça? Hein? Non, c'est que j'ai pas très faim, là. Ça passe pas trop, quoi. T'aimes pas ça? Bon, pour dire la vérité, je trouve ça un petit peu salé, quoi. Mais... Ah bah dis donc, ça fait plaisir. Je me fends en quatre pour te faire une recette et toi, tu trouves pas ça ton goût. Non, mais ça n'a rien à voir. Attends, ton plat, il est très bien. C'est moi, c'est mes goûts, c'est que je trouve ça... Mais ça vaut le coup de faire des efforts. Non, mais attends, le prends pas comme ça, chouchou, sans déconner. C'est vachement bon, je vais le finir, mais... Attends, t'as même pas remarqué que je m'étais acheté un petit pull. Mais si, j'ai remarqué. Bien sûr que j'ai remarqué. Il est très beau, d'ailleurs. Il va très bien. T'as payé ça combien? 600 francs. Non, 600 balles pour ça? Eh ben... Il va super bien, tu le portes très bien. Merci, Léon. Dis donc, il a même pas râlé. Oh, ça marche le truc du sel dans la bouffe. Tes céréales vont être molles. Hein? Ouais, mais moi j'aime bien ça, moi, les céréales molles. Moi. Bah oui, mais les céréales, ça se mange pas molle. Et pourquoi ça se mangerait pas molle, les céréales? Parce que les céréales, on les mange croquantes. Ouais, alors, si on les mange croquantes, pourquoi on met du lait dedans?
pour que ça passe mieux, pour le calcium. Quand tu mets du lait, t'as 3 minutes pour les manger. Mais ça sort d'où ces conneries là? C'est ta mère qui t'a raconté ça encore? C'est pas ma mère qui m'a raconté ça. Mais nous, elles vont plus être bonnes. Bon, je peux les manger comme je veux, mais c'est réel. Non mais y'a vraiment des fois, tu t'obstines pour un rien. Comment, hein? Bah, comme tu veux, Loulou. Comme je veux? Oui. Ah bah, ok. Comme ça, là, c'est bien comme ça? Regarde, ça. Non, c'est trop petit, ça, Loulou. Ah bon? Alors... Comme ça, là, regarde, ça, c'est bien, ça. Là. Bah, non, Loulou, c'est trop petit, ça. Oui, moi, j'aime bien les petits morceaux, moi. Dans un restaurant, mais toujours des gros morceaux, c'est normal, c'est plus esthétique. Bah oui. Ok, comme je veux alors. Hein. Comme tu veux, genre. Voilà. Voilà, alors là, c'est le restaurant là. Regarde. Ah non, Loulou, c'est trop gros ça. Mais tu m'as dit que je pouvais les couper comme je voulais. Oui, comme tu veux, mais pas comme ça. Ni trop petit, ni trop gros. Mais embrasse-la, elle est plus avec Steve. On a menti. Mais tu peux y aller. C'est à moi qui ai menti. Pourquoi? C'est idiot. Oh là là, le mousse. Ouais. La porte. Oh lui, il a une Ferrari, il ferme même pas la porte. La porte, quoi? Fais gaffe derrière toi là! Mais. Ça va l'entraînement? Hein? L'entraînement? Ah oui, oui, donc, oui, bien, oui, j'ai fait un bon 5 minutes là, hein. Bien, oui. Même pas essoufflé, hein. Bien. Oui. Mmh. D'accord. Ah ben fais gaffe, Dylan, il y a déjà un mort! Mais. Les mecs, alors là, tant qu'il y en a, hein. Ouais. T'as tout rangé là? Eh ouais. Et t'as rangé là, tu peux voir comme je t'avais demandé, les petits dans les grands? Ben regarde dans le placard là, je suis sûr qu'ils vont être rangés à ton goût. Ah non, Loulou! Faut que je range tout maintenant là! C'est ce que j'ai dit, comme ça ils vont être rangés à ton goût. Tu manges ma cire à épiler? Chouchou, comment tu la veux ton omelette? Comme tu veux, Loulou. Ok. Surtout pas de crème fraîche, hein. En revanche, tu peux mettre un petit peu de lait. D'accord. Quoique non, c'est pas nécessaire. Quoi? Pas de sel, hein. Et si tu fais l'omelette pour moi, s'il te plaît, tu mets pas d'oignons? Non. Et pas de zèle avec des épices et tout ça, hein. Bien sûr. Waouh! Elle a l'air belle, mon omelette. Non, non. Ça, c'est mon omelette, hein. C'est ça. Et bon appétit.
J'ai l'impression que je t'ai énervée. Non. Oh là, oh là, oh là. Hé, hey, Alex ! Alex ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, viens, viens voir, viens vite, vite, là ! Oh là 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 ! Voilà, mais... voilà, voilà, voilà ! Je m'absente 2 minutes et tu trouves le moyen de foutre le feu dans la cuisine ! Mais n'importe quoi, je viens... Tais ! Mais je viens d'arriver... Tiens-moi ça. Qu'est-ce que t'as à me surveiller, là ? T'as pas un truc de fille à faire ? Bah, t'es pas gentil, moi j'aime bien te regarder à l'œuvre. Attends, quand Beethoven a créé sa 9e symphonie, est-ce que tu crois que Madame Beethoven était là à le surveiller ? Voilà, alors ça je l'attendais. Il faut toujours qu'on parle de lui, toujours de Monsieur Beethoven. On oublie complètement cette femme. T'en sais rien, peut-être que sa femme, eh ben, elle a vécu dans l'ombre et qu'elle s'est occupée de tout, de toute la tendance de la maison. Peut-être qu'elle a emmené ses vêtements au pressing, peut-être que c'est elle qui payait les factures de téléphone. Non, ça bien sûr, on l'oublie complètement. On parle que de lui. Lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il écrivait des chefs-d'œuvre. Eh ben, elle, peut-être qu'il avait beaucoup de chance d'avoir une femme comme ça. Lui, finalement, il était sourd ! Et ça, c'est une chance énorme. Écoute, je sais pas trop comment ça va se terminer, ça dépend un petit peu du contrat de Jean. Là, bientôt, on va la voir, ouais. Mais c'est quand même un contrat de 6 mois, tu vois. Ah ouais. Et alors là, on se fait un super voyage, quoi. Le voyage de rêve. Bah écoute, moi, je t'avoue, j'aimerais bien partir en Australie. Il paraît que c'est magnifique. Bah Jean, il a une cousine qui habite là-bas, qui habite à Sydney. Ouais. Oh, il paraît que c'est magnifique, elle m'a envoyé des brochures. Oh, si tu vois comme c'est beau. Bon, c'est un petit peu désertique, hein, c'est vrai. Ouais. Non. Non, j'y suis jamais allée. Il paraît que c'est très beau aussi. Mais moi, l'Afrique, tu vois, je sais pas. Non, je suis pas fan. Non, j'ai envie d'un truc complètement nouveau. L'Australie, je crois que c'est nouveau. Ouais, tout à fait. En plus, j'ai des prix très intéressants par une agence. Bon, ça y est, la casserole, là. Bah oui, ça y est, la casserole, c'est bon. Ouais. Non, je te disais, moi, j'ai vu des prix très intéressants pour l'Australie. Ouais. Écoute, je sais plus, mais c'était intéressant. Oui. Bon. Ou alors, voilà, Cuba. J'aimerais bien aller à Cuba aussi. Ah, il paraît que c'est très, très beau. Mais oui, c'est ça, c'est changeant, c'est, tu vois... Moi, j'ai, en plus, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de respirer. Mais oui, mais on travaille comme des fous. Qu'est-ce que tu veux, on s'arrête ? Dis-moi, Loulou, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Je sais pas, comme tu veux. Bah, je sais pas, des pâtes ? Oh non, j'en ai bouffé à midi. Ouais. Ouais. Ou des côtelettes ? Non, faut sortir en acheter, Alex. Faut faire un truc simple, une omelette ? Oh non, pas pour dîner. Non. Et un couscous, tiens. Un couscous ? Ouais. Mais je sais pas comment ça se fait, moi, un couscous. Ah, moi, je sais, moi, j'ai trouvé une recette la semaine dernière. Ah bon, t'as trouvé une recette ? Ouais. Bah, dis donc, Loulou, en progrès, hein. Attends, est-ce que je l'ai foutu ? Tiens, voilà, regarde. Couscous royal, livraison gratuite, impeccable ça. Ah ouais, d'accord. Je me disais aussi. Dido, qu'est-ce que tu nous prépares là ? Je nous ai fait un cake aux bananes. C'est pas vrai. Merci. Bravo, mon amour. Ouah, dido, on va se régaler là. Non, non. Attends, excuse-moi, Alex. Non, mais ça, faut faire vraiment attention à ça. Hein. Ne jamais ouvrir la porte d'un four quand il y a quelques bananes à l'intérieur. Ok. Ça, oui, donc c'est une règle d'or. Pardon. Ok. Puis casse-toi là. T'as rien à foutre là, c'est mon domaine, s'il te plaît. Excuse-moi, je m'en vais. Non, mais c'est vrai. Attends, parce que en plus j'ai l'impression que je l'ai pas foiré là. J'ai... Avec du chocolat fondu dessus, puis de la noix de coco râpée là, ça va être génial. Hein? Dis donc, Loulou. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Comment on fait là pour les bananes ? Tu les mets après ? Eh bien, ça sera un cake aux bananes sans bananes. Ah, merde. De toute façon, j'ai pas la banane. Oh, merde, c'est con ça. Salut.
Alors, t'es prêt pour le dîner surprise? Ouais, t'as préparé le repas? Mm-hmm. T'as pensé au vin? Intérêt, ouais. Fais voir. Non, vas-y, toi. Non, toi. Vas-y. Allez, s'il te plaît, toi d'abord. Allez. Non, toi, allez. Bon, ok. T'es prête? Oui. Hermitage 89. Wouh! C'est bon, ça? Bah, je veux, hein? Oui. Ouais. Combien? C'est pas important. Bah, si, combien? Non, monsieur. Allez, dis-moi, combien? 300 balles. Ouais. Mais t'es malade? Non, attends, je suis pas malade, on peut se faire plaisir, Alex. Attends, c'est ce qu'on paye au restaurant, 300 balles, c'est du bon, hein? Ah, bah, yo, heureusement que je fais des économies, moi. Tiens, hamburger. Ça compense? Hein? Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais, là, Loulou? Mais la vaisselle. Loulou, tu bouges pas, hein? Mais qu'est-ce que tu fais, là? Un souvenir. Hein? Un souvenir. Comme si c'était exceptionnel. Qu'est-ce que tu fais, là, Loulou? Je prépare un petit encas, j'ai les crocs, là. Ouais. Tu sais que quand on a un petit creux, il vaut mieux manger un fruit, c'est mieux. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, surtout que t'es un petit peu épaissi ces derniers temps. Comment ça, j'ai épaissi? Bah, c'est vrai, Loulou, t'as grossi un peu. J'ai grossi, d'où j'ai grossi? Bah, arrête, t'as pris. Mais d'où? Mais tu rigoles, là? T'as pris, là? Là? Ah ouais. Mais non. Ah si, Loulou. Fais attention, fais attention. Non. Qu'est-ce que ça? Tendre naïveté. Ça, c'est l'avenir de ça. Terminé. Moi aussi. Ah, l'avenir. Hein? C'est beau, l'avenir. Tu sais qu'il y a l'eau qui coule, là, hein? Ouais, je sais, mais c'est pour faire refroidir les pâtes pour la salade. Tu sais que l'eau est un bien précieux? Oui, je sais. Tu sais qu'il y a des gens qui se battent pour ça? Je fais attention, Alexandra. Il y a des gens qui meurent de soif. Oui, oui. Tu sais qu'avec toute l'eau que tu fais couler, tu pourrais faire vivre une famille éthiopienne pendant 3 jours. Oui, je sais, voilà. Eh bien, c'est un geste civique que tu fais là. C'est important, l'eau. Ça respire, ça vit. Ça mouille. Je vais me changer. Ça, c'est bon. Salut. Salut, mon loulou. Ça va? Bien, et toi? Ouais. Qu'est-ce qu'on mange? Alors, comme entrée, j'ai pensé à un feuilleté de saumon. Ensuite, des cailles farcies des glaçons au Porto. Ah oui. Avec une petite salade verte. Oui. Et en dessert, un gâteau au chocolat. Super, merci, mon ami. Mais comme j'ai pas eu le temps, finalement, j'ai décongé une pizza. Voilà. C'est ça que ça sent, alors, le... La pizza. Jean!
peux venir, s'il te plaît? Si. Qu'est-ce que c'est que ça? Je tente une poêle. Bien, gagné, touche l'intérieur. Ah ouais, c'est bien une poêle. Non, 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 touche l'intérieur, c'est du, c'est du, c'est du, c'est du. C'est du, c'est du gras. Voilà. Ah ouais, c'est gras. Bah oui, c'est gras. Bah ouais. D'accord. Hop, 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 c'est pas fini. Qu'est-ce que c'est que ça? Du carrelage. Non, c'est de l'eau. Alors non seulement tu fais très mal la vaisselle, mais en plus tu me fous de l'eau partout, on se croirait dans une piscine. Mmh. Alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai plus le droit de faire la vaisselle? Non, tu vas recommencer. Ah, je suis pas privé de vaisselle? Non, tu vas recommencer et vite, ouais. Très vite. Et tu vas me nettoyer tout ce merdier là. Okay. Mmh. Et avec le sourire. Eh bien.